faut à peu près une heure pour pouvoir manger, quoi. Les toilettes, ça va, ça reste propre à certains endroits. Après, côté douche, eh ben, il n'y en a pas du tout. On se lave à la casserole. Il y en a beaucoup de chauffeurs qui râlent et puis bon, on les entend klaxonner, mais bon, ça ne fera pas avancer les choses. On avait prévu les vacances en famille et puis bah on est bloqué là, donc bah, Noël ça va être Noël dans le camion, c'est, pour moi ça sera une première. Et un hamburger en guise de dinde on va dire, et puis bah, le foie gras on fera une croix dessus, hein. Donc on prend notre manne en patience et bah, on subit malheureusement. Les militaires sont arrivés à minuit, ils sont venus taper à ma porte en nous donnant une boîte de tests PCR déjà toute prête avec les tiges. Ils nous ont montré comment le passer, le test, parce que c'est nous-mêmes qu'on se le passait, donc on se le passait dans le nez, dans la bouche. J'ai fait tout moi-même, la situation devient intolérable et l'État français nous a délaissés.